Merci, ça fait plaisir d'être de retour, je crois. C'est ça que tu me disais dans la c'est caravane. Ça. Ah, ça varie des moments, des vibes. Des... En ce moment, je suis chaud sur Gibson. Les Paul. Et c'est la plus belle. Voilà, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a... Ouais, faut faire le tri, c'est pas facile. Il y en a quand même un, c'était une date qu'on avait fait au Rototom avec Barrington Levy. Et sur un morceau qui s'appelle Murderer, il y a une cocotte de dingue à la guitare que j'écoute depuis que je suis ado. Et voilà, je me retrouve sur scène à jouer cette cocotte. Avec, et puis t'as pris un gros forward avec le public. C'était un beau souvenir. Dingue. Pareil, il y en a quelques-uns. Je crois que j'ai quand même une pensée spéciale quand tu me dis ça pour la Réunion. J'ai eu la chance d'y aller, je crois, 8 ou 9 fois. Et vraiment, je trouve qu'il y a une vibe particulière. Mais après, il y en a plein d'autres. J'adore la Nouvelle-Calédonie. Dans des trucs complètement différents, j'adore New York, la Côte d'Ivoire. Beaucoup d'endroits. Ouais. Je ne l'ai pas cité dans les pays que je surkiffe. Non. Et je pense qu'il faut vraiment y aller parce qu'il y a du très bon Saint-Nectaire. J'essaye, déjà, je sais pas si j'y arrive encore, mais j'essaie du mieux que je peux. J'essaie de jouer des choses pas très compliquées. J'aime essayer de jouer des mélodies qu'on peut rechanter, que l'on peut siffloter sous la douche, je ne sais quoi. J'essaie de pas rentrer dans un truc trop complexe ou trop technique. Je crois que j'aime beaucoup la soul et j'aime beaucoup le rock des années 70. Il y en a deux. Il y en a un qui s'appelle The Walk, qui est un espèce de dub, et le dernier morceau qui s'appelle Altitude. The Walk, je ne savais pas du tout quelle tournure il prendrait. C'est à la fin qu'il a fini en dub. À la base, c'était pas du tout un dub. Lui, il m'avait fatigué. J'ai failli pas le mettre. Il a failli être puni, lui. Je crois que c'est un morceau qui s'appelle Brand New Star. Quand il est sorti, non, absolument pas. Je me suis dit, c'est trop de travail, c'est trop d'énergie, c'est trop d'argent. Non, c'est ouais, ça donne grave envie. Je vais prendre le temps. Je vais pas me presser, je vais pas rentrer dans un processus où il faut faire un deuxième, il faut faire un troisième. Par contre, je ressors l'album en édition deluxe au mois d'octobre. J'ai rajouté 5 titres. En fait, j'ai pris 5 titres de l'album où j'ai retiré tous les instruments lead, enfin les solos, etc. Et j'ai mis des chanteurs et des chanteuses. Donc ça, je crois que j'en avais pas parlé avant en plus. Et ça arrive en octobre. C'est une suite du premier album, on va dire. 1.2 quoi. Voilà, exactement. Super. Le tome 2. Il y en a deux, et franchement, c'est pas parce que j'ai joué dessus, mais il y a l'album de Meta, son dernier album, donc je trouve qu'il est très beau. Et puis, il y a l'EP qu'on vient de sortir avec ma femme Myrna, sur lequel on a travaillé. Et voilà, c'est les deux références dernières, je pense, que j'ai kiffé. Alors, il y en a, pour le coup, il y en a plein. Je vais prendre Burning Spear. Je me suis dit que si je faisais Burning Spear, je raccrochais ma guitare. Bon, j'espère le faire, en même temps, j'ai pas envie de raccrocher ma guitare. Je pense que c'est un morceau qui s'appelle Heart of Gold de Neil Young, parce que mes parents l'ont joué quand j'étais petit à la guitare déjà. La salsa du démon. Quelle question. Salsa du démon. Salsa. Faut pas avoir peur de la musique instrumentale, ça va bien se passer. There's a gloom beside my smile, beside you, beside you. Mysterious, mysterious girl. Now I've been here for some time, and I still cross the line beside you, beside you. Oh, mysterious girl of mine.
I do. Oh yes, I do. I'll go a few more miles, and with your arms around my neck, you could be mine. For days or less, who knows? Before I might.